Gershon. On se retrouve en direct du dîner du CRIF avec le président de la Fédération des Juifs Noirs que je connais bien, que j'apprécie énormément, Monsieur Gershon Ndoua. Comment allez-vous? Bonjour, merci, tout va bien. Mais dites-moi, je crois que c'est la première fois que je vous vois ici à Marseille pour le dîner du CRIF. Oui, ça c'est une première, mais Marseille c'est devenu presque la famille parce que toutes les communautés, toutes les associations juives de Marseille m'invitent. Donc c'est devenu la maison. Dernièrement, j'étais d'ailleurs avec le président Arouche. Et donc Marseille c'est devenu accoutumé en fait dans ces moments. Alors qu'est-ce que... Pourquoi vous êtes venu au dîner du CRIF et vous avez accepté l'invitation? Vous avez envie d'entendre quoi ce soir? J'ai envie d'entendre la vie communautaire de Marseille et de Provence, comment ça se passe au niveau de la lutte contre l'antisémitisme, avec les dialogues des peuples, comment ça se passe. Et je pense que le CRIF de Marseille-Provence est exemplaire dans la façon dont ils font les travaux, notamment le président Bruno Benjamin qui... effectivement fait un effort énorme en vue de rassembler les différentes communautés de Marseille-Provence. Alors justement, j'imagine qu'à Paris, à la Fédération des Juifs Noirs, vous êtes très actif. Oui, oui, on bouge beaucoup justement. L'objectif, c'est la mémoire, la lutte contre l'antisémitisme et le vivre ensemble. Et ça, c'est nos pliés, plus effectivement la vie en Israël, parce que nous avons une antenne aussi en Israël. Donc, on fait un boucle, on prend l'Afrique, l'Europe et Israël, ça fait trois. Eh bien, je vous remercie. Bonne soirée, bon premier dîner du CRIF. Au revoir. À vous aussi, au revoir.